Bonjour Piotr Tolstoï. Bonjour. Vous êtes un homme politique russe, vice-président de la Douma, et je n'ai pas vraiment besoin de vous présenter parce que nos auditeurs vous connaissent très très bien à travers différentes missions et interventions dans les médias, et notamment au Dialogue franco-russe. Je vous remercie encore une fois d'être avec nous. Merci à vous. À plusieurs auditeurs, nos auditeurs souhaiteraient vous poser pas mal de questions concernant la Russie, le monde multipolaire, la guerre en Ukraine, évidemment. Et moi, j'aimerais bien commencer par les États-Unis. Que pensez-vous de la tentative d'assassinat de Donald Trump? À mon avis, ça a augmenté ça a donné à Donald Trump un certain priorité dans l'opinion publique américaine, mais on verra comment il va se présenter contre Kamala Harris, qui maintenant représente le camp démocrate. Pour nous, c'est, à mon avis, n'importe quel président américain, il est surtout intéressé par les États-Unis et pas par le monde multipolaire. Mais en fait, n'importe quelle issue des élections américaines montre à l'Europe, met à l'Europe dans une situation difficile. Parce que l'Europe a perdu son souveraineté, entièrement plongé sous la politique américaine, et maintenant, avec Trump ou avec Kamala Harris, n'importe qui, ça serait difficile de reprendre de nouveau la voie de l'Europe. Donc la candidature de Kamala Harris, vraiment, elle est toute récente. Elle a été validée en quelque sorte par Soros, puisque j'ai vu hier sur X la photo d'Alexandre Soros et Kamala Harris. Donc le monde libéral américain et pas que valide la candidature du futur candidate. Démocrate. Ouais. Que pensez-vous des élections en général? Est-ce que finalement, c'est vrai que j'ai entendu déjà parler de ça, que peu importe quel candidat, peu importe quel président, ça ne va rien changer, ni pour le cours de la guerre en Ukraine, ni pour les relations bilatérales entre la Russie et les États-Unis, ou peut-être quand même Donald Trump pourrait être, entre guillemets, un candidat plus pacifique pour la Russie? Pour nous, à mon avis, ça ne change pas grand-chose. Pour les États-Unis, la façon dont ils ont présenté une nouvelle candidature démocrate, c'est assez rigolo parce que ça nous montre vraiment le triomphe de la démocratie quand il y a déjà des gens qui ont donné de l'argent pour M. Biden. Et du coup, on ignore leur opinion, on met Madame Harris devant dans le camp démocrate. À mon avis, ce qui est important pour les États-Unis, c'est leur notion de la démocratie. Et cette notion de la démocratie, on voit que c'est une vitrine. En fait, il y a des groupes d'influence qui gouvernent les États-Unis, en fait, qui gouvernent le monde. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe occidentale est entièrement sous l'influence des narratifs américains. Donc ce groupe, on voit même si le président Biden ne comprend pas où il est, il y a toujours ses conseillers, il y a toujours Blinken, Sullivan, les autres plus jeunes qui en fait tournent cet mécanisme. Et on voit que c'est pas un mécanisme démocratique, c'est pas un mécanisme qui s'appuie sur la confiance des électeurs finalement. Ça s'appuie sur le capital, mais sur certains groupes d'influence américains. Et à mon avis, leur intérêt, c'est de continuer à soutenir l'Ukraine contre la Russie, parce qu'affaiblir la Russie, c'est le but stratégique des États-Unis dans ce conflit. Et leur attend, à votre avis? Non, non. En fait, ils ont pensé que avec les sanctions, avec les tentatives d'isolation de la Russie, qu'ils peuvent faire quelque chose, mais ça n'a pas marché. Finalement, les sanctions, ils tapent sur les pays qui ont entamé les sanctions contre la Russie. L'isolation, c'est pas le cas, parce qu'on a les relations avec tout le monde entier, sauf un petit morceau qui s'appelle l'Europe occidentale et les États-Unis et Canada. Bon, s'ils ne veulent pas, on s'en fout.
Pour revenir à Le Temps, Der Spiegel, média allemand, a consulté le document confidentiel selon lequel l'Allemagne préparerait un effort logistique gigantesque qui vise à permettre le passage en quelques mois de 800 000 soldats de l'OTAN sur son territoire pour après en route pour défendre l'Europe de l'Est contre la Russie. Mmh. On est en... Bon, s'inverse, ce sont les vraies informations, parce que quand même Der Spiegel est un média assez important. Qu'est-ce que ça veut dire exactement en été 2024? Est-ce que c'est l'Allemagne qui voudrait prendre une revanche en quelque sorte sur sa défaite contre les Russes? Non, à mon avis, c'est des manœuvres à l'intérieur de l'OTAN, mais ça nous prouve encore une fois que l'OTAN, ce n'est pas un bloc défensif, parce que c'est ce qu'il dit Spiegel, c'est que les Allemands, ils revisent les routes afin qu'ils puissent... faire passer l'armée sur les routes, sur l'infrastructure allemande, infrastructure routière. Cela veut dire quoi? Drak nach Osten, numéro 2. Une fois, ils ont déjà essayé de faire ça en 1941, et ça se terminait au Berlin en 1945. Donc j'espère que les Allemands, ils vont pas répéter les mêmes fautes. Mais si... S'ils ont besoin de reviser les routes, à mon avis, c'est très bien. Nous, on n'a pas les routes ici en Russie préparées pour 800 000 soldats de l'OTAN. On a seulement quelques routes pour évacuer les soldats de l'OTAN tués en Ukraine. Et malheureusement, ça se passe chaque jour. Vous êtes en train de communiquer, parler avec les dirigeants de l'OTAN? Non. On n'a pas des contacts avec l'OTAN depuis, 2014. Donc, l'OTAN ne veut pas un dialogue avec la Russie. Et donc, toutes les discussions, toutes les communications sur la sécurité européenne sont aujourd'hui interrompues. On verra bien, après notre victoire en Ukraine, qu'est-ce que ça va donner au niveau de la sécurité européenne. C'est sûr qu'il y aura des nouvelles consultations et des nouvelles conditions de la sécurité européenne. Parce que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe, je dis ça toujours pour que les gens n'oublient pas la géographie. Et le petit morceau de l'Europe qui s'appelle l'Europe occidentale, ou l'Union européenne, il ne peut pas dicter sa volonté à n'importe quel pays, surtout à la Russie. Nous avons parlé du président Zelensky quand on s'est vu la dernière fois, en novembre 2023. À l'époque, il ne s'agit pas du tout des négociations. On sait très bien qu'elles ont été sabotées en mars 2022, notamment. Après, il y a un mois, deux mois, le fameux sommet pour la paix, mais sans la Russie. Et à aujourd'hui, apparemment, Zelensky est prêt à négocier avec la Russie. Comment vous voyez cette future potentielle négociation? Parce qu'à un moment donné, ça doit arriver. D'abord, Zelensky et compagnie, ils ont voté la loi qui leur interdit toute négociation avec la Russie. Donc pour discuter de négociation, il faut en fait reviser cette décision du Parlement ukrainien. Deuxièmement, Zelensky est un président illégitime, son mandat est terminé. Pour la Russie, il ne représente pas le peuple ukrainien. Son rhétorique est compréhensible parce que même Boris Johnson, qui lui a donné l'ordre d'aller jusqu'au bout, faire la guerre contre la Russie au moment des négociations d'Istanbul, même Johnson est allé voir Trump pour consulter un probable variant, qu'est-ce qu'on peut proposer à les Russes pour terminer la guerre. Donc pour Zelensky, c'est le moment difficile parce qu'il ne s'appuyait pas sur le peuple ukrainien, mais il s'appuyait toujours sur le soutien américain et soutien de l'Occident en général. Aujourd'hui, on voit que ce soutien n'est plus là, donc il est un peu dans l'air et c'est pour ça que il commence à dire, voilà, on peut pas, cette guerre est très difficile pour l'Ukraine. Évidemment, c'est très difficile.
Il y a certains dirigeants européens qui voudraient améliorer et surtout accélérer ce processus de négociation, notamment Viktor Orban qui a fait toute une tournée en faveur de la paix. Est-ce que vous pensez que finalement les personnes comme ça, il y en a plusieurs, ils voudraient également contribuer à être avec la Russie pour négocier ? Tout l'effort pour revenir à la diplomatie, c'est bien. Mais nous, on doit d'abord attendre les buts de notre opération militaire spéciale. Deuxièmement, malheureusement, je dois constater que les leaders européens n'ont pas ni le mandat, ni la souveraineté pour négocier la paix du côté de l'Ukraine, de la Russie. Même M. Orban, il a toujours fait son tournée pour donner de l'information à Donald Trump sur la situation et sur la position de la Russie, de la Chine et de l'Ukraine, pas plus. Donc à mon avis, c'est pas eux qui vont jouer un rôle dans le futur peut-être issue diplomatique du conflit. Que dites-vous à ces personnes-là? Elles sont nombreuses depuis 2 ans et demi, nous les voyons dans les médias mainstream et pas que, qui accusent la Russie systématiquement des crimes de guerre. Ah, écoutez, pour l'instant, ils n'ont rien prouvé. Même les noms des victimes de soi-disant crimes à Boutcha, on ne les connaît pas. Et ils refusent à donner des noms à des gens qui ont été tués à Boutcha. On ne sait pas par qui. Mais donc, toutes les accusations des crimes de guerre, ça fait partie d'une campagne de propagande anti-russe qui aujourd'hui domine dans les médias occidentaux. On a le temps devant nous, donc peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ça va passer. C'est comme une maladie. On ne peut pas faire un traitement à un malade et discuter sérieusement. Il faut d'abord qu'il guérisse. Vous êtes d'accord avec le président Poutine qui a dit, je pense que c'était dans son interview avec Tucker Carlson, que finalement on vit, les Russes et les Ukrainiens vivent une vraie guerre civile. C'est pour la première fois peut-être qu'il a utilisé ce terme. Oui, pour nous c'est une situation très difficile, mais ce n'est pas pour la première fois en Europe de l'Est que, par exemple, regardez le conflit entre les Serbes et les Croates dans les années 90. Quand l'Occident a accusé les Serbes qui sont mauvais et les Croates et les Bosniaques qui sont très bons. Et ils ont même ils ont construit le tribunal à La Haye. Donc il y en a plein d'exemples comme ça, des peuples qui sont très proches et qui font la guerre à cause de la participation de l'Occident. S'il n'y avait pas un soutien de l'Occident au régime ukrainien, il n'y aura pas cette guerre, il n'y aura pas des victimes, etc. Et ce n'est pas l'agression russe, comme on dit dans les médias, c'est l'agression de l'Occident qui a commencé avec le coup d'État en 2014. Pour nous, c'est comme ça. Et donc, nous sommes en train de terminer la situation, pas commencer. Donc, on espère qu'au moment quand on va atteindre les buts de l'opération spéciale, on aura la paix entre les Russes et les Ukrainiens. Et bien sûr, pour nous, c'est presque une guerre civile. Oui. Est-ce que vous avez les chiffres en tête de tous ces Russes qui sont partis au début du conflit? Je sais qu'ils reviennent. En fait, ils ne sont pas considérés, entre guillemets, on m'a demandé est-ce que les Russes peuvent rentrer, ceux qui sont partis au début peuvent rentrer calmement en Russie, continuer à travailler, etc. Vous le confirmez qu'effectivement, les gens partent, les gens sortent. Et ils vivent une vie quotidienne normale. Oui, bien sûr, mais je peux dire que d'après les données du gouvernement, sur les spécialistes dans IT, nous avons les chiffres. C'est 80% qui sont revenus en Russie et travaillent aujourd'hui en Russie, qui ont passé en Géorgie, en Arménie, en Serbie, dans d'autres pays. Et après, ils ont compris qu'ils ont fait en erreur et ils ont rentré à la maison pour travailler, gagner de l'argent, faire grandir leurs enfants, etc. Donc, vie en immigration, c'est difficile. Mais ceux qui sont partis et qui ne veulent pas revenir, très bien, ils vont travailler ailleurs, ils vont travailler dans d'autres pays, il n'y a aucun problème.
Est-ce que les dirigeants européens font semblant de ne pas comprendre les exigences sécuritaires russes? Bien sûr, ils ne veulent pas comprendre et ils ne veulent pas même discuter. Les exigences de sécurité, c'est très simple. J'ai déjà expliqué que c'est si jamais il y a des missiles de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Donc pour nous, ça nous réduit à 1 minute et demie le moment de prendre la décision à se défendre. Donc pour nous, c'est une chose très importante. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas le territoire ukrainien, nous voulons la sécurité de la Russie. C'est tout. Est-ce que nous avons atteint la ligne rouge dans cette confrontation? Toutes les discussions sur les lignes rouges, c'est relatif, parce qu'aujourd'hui, la ligne rouge est là, après il est là, donc à chaque fois, on attend beaucoup de déclarations sur les lignes rouges. Mais je peux dire que les Russes, ils ont beaucoup de patience, mais pas autant pour que pensent certains leaders européens. Donc il faut quand même comprendre que la Russie peut répondre et peut faire la guerre comme, par exemple, les Européens et les Américains, ils ont fait en Irak ou en Libye. On ne fait pas ça en Ukraine, mais on peut le faire. Et à ce moment-là, l'infrastructure routière allemande ne sera pas prête. Et il y a un autre conflit dans le monde qui inquiète les gens, c'est le conflit entre Israël et la Palestine. Et on a dit un petit mot lors de notre dernier dialogue avec vous en novembre. Est-ce que le rôle de la Russie ou l'opinion de la Russie a changé depuis? Non, en fait, nous sommes contre les doubles standards qui sont en fait les mêmes pour le conflit en Palestine et Israël et pour le conflit Russie-Ukraine aussi. Donc il y a toujours, pour l'opinion publique, les mauvais, c'est les Russes et les Palestiniens, et les bons, c'est les Israéliens et Ukrainiens qui peuvent faire ce qu'ils veulent, hein, qui peuvent envoyer les missiles sur les jardins d'enfants, sur les hôpitaux, tuer les civils, etc. Et il y a toujours des mauvais qui ne tuent pas les civils, mais qui sont mauvais dans l'opinion publique. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui, tôt ou tard, n'importe quel mensonge se disperse. Donc, on va voir quand ça va passer, mais malheureusement, pour l'opinion publique européenne notamment, il y aura un moment de quelque chose, de découverte très, très triste pour eux. Vous êtes d'accord avec Alexei Pouchkov, que j'ai interviewé la semaine dernière, et qui a dit que la Russie n'est pas en conflit avec les peuples de l'Europe, mais avec leurs dirigeants? Bien sûr, non, ça c'est clair. Moi je peux dire que même quand je dis des choses désagréables sur les dirigeants français ou sur leur politique envers la Russie, les simples Français me soutiennent, hein. Ils me disent « bah oui, continuez de dire la vérité, monsieur Tolstoï, c'est bien, etc. » Donc on comprend très bien que le système politique d'aujourd'hui ne représente pas vraiment ce que pensent les Français. Ça se voit après l'élection parlementaire, ça se voit par plusieurs choses. Aujourd'hui, on voit Paris avec les barrages olympiques, avec le baignoire dans la Seine, etc. Mais ça ne représente pas la France pour moi. Ça ne représente pas le peuple français. Et ça ne représente pas l'amitié franco-russe qui existe depuis des siècles. Là, on est bien d'accord au dialogue franco-russe, on est bien placé pour le confirmer. Si demain, lors d'une grande conférence pour la paix, ou autrement, vous rencontrez M. Macron, qui est encore président de France, que voudriez-vous lui dire? Rien. Moi, j'ai aucun message à M. Macron. Moi, j'aimerais bien rencontrer peut-être Brigitte, mais lui, non. Le dialogue entre la Russie et la France est quasi inexistant, je dirais nul. Moi, je ne parle pas des sociétés civiles, puisque les sociétés civiles, heureusement, communiquent. Combien de temps, vous pensez, il nous faut pour revenir à la normale et surtout, économiquement parlant, on sait très bien que l'Europe est endettée, la France est endettée, et on a parlé lors de plusieurs conférences, du dialogue franco-russe notamment. Ce réveil-là, économique, est-ce qu'il est possible, peut-être avant 10 ans, c'est minimum? C'est minimum.
10 ans pour que Macron et génération de ce leader fait par les technologies politiques, pour qu'ils partent, pour que de nouveaux leaders européens commencent à fonctionner dans l'Europe et pour que le dialogue et la confiance, parce qu'en fait, et pour le business, et pour la politique, et pour la sécurité, la base, c'est la confiance. On n'a pas la confiance à des gens qui manipulent à double standard avec certain nombre de choses qu'ils jugent les principes de l'Europe. Donc, il faut au moins 10 ans, à mon avis. Mais la Russie est prête à coopérer. Dans 10 ans, on verra bien. Merci beaucoup, Piotr Tolstoï, pour ce dialogue. Pour le continuer, j'espère vous voir avant 10 ans. Merci, merci, merci. Bien sûr. Merci.